progression rapide. C'est une urgence néphrologique. Donc, cette néphropathie à progression rapide, qui est une urgence néphrologique, se traduit par ce qu'on appelle la glomérulonéphrite extra-capillaire. Alors, vous avez trois types de glomérulonéphrite. Alors, vous avez des glomérulonéphrites avec des fixations linéaires d'immunoglobuline. Vous avez des fixations granuleuses et vous avez des fixations où il n'y a pas de fixation du tout. Et à ce moment-là, chaque type, chaque entité, classe 1, classe 2, classe 3, va vous donner donc les différentes étiologies. Donc, c'est pour dire que c'est très important d'accompagner, toujours dans la biopsie rénale, il faut toujours accompagner à la microscopie optique la lecture à l'immunofluorescence. Vous ne pouvez pas faire une biopsie rénale et avoir seulement la microscopie optique, ça ne suffira pas, parce que l'immunofluorescence permettra de vous dire si ce sont des dépôts granuleux, si ce sont des dépôts linéaires ou s'il n'y a pas de dépôts. Alors, les glomérulonéphrites et infections. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités. Vous avez des glomérulonéphrites avec des infections bactériennes, les infections virales, les infections Arikadzi et Fengi. Donc, vous avez ici, par exemple, la GNA post-streptococcique. Vous avez donc, par exemple, les GN avec infection de chèvre. Généralement, c'est des glomérulonéphrites extra-capillaires. Donc, vous avez à voir, donc c'est pour ça que c'est compliqué. Et c'est pour ça que dans la néphropathie, si vous avez un syndrome glomérulaire, il faut toujours rechercher s'il y a ou pas un germe accompagnant ce syndrome glomérulaire qui est le facteur déclenchant de la maladie et qui peut évoluer, dès qu'on trouve la cause, qui peut évoluer favorablement en traitant pas par les corticoïdes, mais plutôt par les antiviraux ou les antibiotiques. Ok ? Alors ça, c'est les formes de membranoprolifératives. Alors là, la membranoproliférative, c'est une forme qui est très rare, heureusement, hein, chez nous, parce qu'elle était très importante et maintenant de plus en plus rare. Problème, c'est l'éthiopathogénie qui n'est pas très, c'est-à-dire on la trouve pas, on ne connaît pas très bien son éthiopathogénie et le traitement n'est pas encore codifié. Alors souvent, c'est un traitement qui ne donne pas et souvent, c'est des néphropathies à progression rapide qui évoluent rapidement vers les rénale terminale nécessitant la dialyse. Alors ça, c'est également les atteintes du mésangiome. Là, c'est pratiquement dans la GEM de type 1, la GEM de type 2, c'est les dépôts à l'immunofluorescence. Donc ça, c'est une entité qui est particulière, qui est très fréquente en Europe, mais qui n'est pas fréquente chez nous. C'est la glomérulonéphrite à dépôt mésangio d'IgA, qui est la première cause d'insuffisance rénale chronique, la première néphropathie en Europe. C'est la première cause d'insuffisance rénale chronique en Europe. Mais chez nous, non. Chez nous, c'est plutôt les autres néphropathies, telles que les lésions glomérulaires mobiles, les HSF, les GEM et tout. Mais ici, c'est pratiquement une néphropathie qui se traduit donc soit par le fait qu'elle soit idiopathique, elle se manifeste essentiellement par une hématurie glomérulaire microscopique avec des épisodes d'hématurie macroscopique. Et elle peut évoluer en quatre stades vers l'insuffisance rénale chronique terminale. Son évolution est lente, mais elle est irrémédiable vers l'insuffisance rénale chronique terminale et elle peut récidiver après la greffe. D'accord ? Donc c'est une entité et vous voyez qu'elle peut être secondaire. Ça, c'est le type de néphropathie diabétique. Alors la néphropathie diabétique, c'est une étude récente. Alors comment on a classé ? C'est Kimmelstein et Wilson qui ont fait un travail chez les diabétiques de type 1. Alors, ils ont bien sûr fait une évolution de leur maladie durant 15 ans à 20 ans. Ils se sont rendus compte que lorsque le diabète de type 1 insulino-dépendant évoluait depuis plus de 10 ans, tous les patients développaient une néphropathie diabétique. Alors, la néphropathie diabétique, elle se classe en 5 stades.
Et la première, le premier stade se traduit par une augmentation du débit de filtration glomérulaire, une hyperfiltration glomérulaire. Et le deuxième stade se traduit par un épaississement de la membrane basale glomérulaire. Le troisième stade se traduit par cette fameuse microalbuminurie qu'on recherche régulièrement chez le diabétique. D'accord ? Donc, quand le malade a cette microalbuminurie, c'est le moment ou jamais d'agir parce qu'elle peut évoluer vers la rétrocession. Et c'est pour ça que dans les populations à risque, dans les diabètes de type 1, la microalb, il faut la rechercher systématiquement chez quelqu'un qui fait un diabète depuis plus de 5 ans. D'autant plus que dès qu'on a défini la microalbuminurie, à ce moment-là, on peut éventuellement traiter par un antiprotéinurie et à ce moment, on peut stabiliser la maladie. Si on passe à travers ce stade 3 vers le stade 4 et 5, le malade évoluera systématiquement vers l'insuffisance rénale chronique et l'insuffisance rénale chronique terminale. Donc ça, ça a été des études qui ont été faites chez les patients qui font donc le diabète de type 1. Mais on s'est rendu compte que les patients du diabète de type 2, non insulino-dépendants, ces diabétiques-là peuvent développer une néphropathie diabétique, mais dans 30% des cas. Et si maintenant ils ont une microalbuminurie, sa signification n'est pas la même. La microalbuminurie chez le diabétique de type 2 est une dysfonction endothéliale. Ce n'est pas une néphropathie diabétique. Et la protéinurie dans le diabète de type 2, elle peut être liée en partie à la néphropathie diabétique et elle peut être liée à d'autres néphropathies. Il a le droit de faire d'autres néphropathies autres que la néphropathie diabétique. Et on peut avoir les deux, c'est-à-dire que le malade peut développer une néphropathie diabétique et une autre néphropathie sur la même, le même prélèvement. Pour dire que c'est un peu compliqué tout ça. Et c'est pour ça que, généralement, on ne fait pas systématiquement une biopsie chez un diabétique. C'est comme l'enfant. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, on tombe sur une néphropathie diabétique. Quand les lésions, des nodules de Kimmelstein, ça c'est une glomérulosclérose. Donc, il faut savoir que quand on tombe systématiquement sur la néphropathie diabétique, on ne fait pas systématiquement la biopsie. Mais la biopsie, elle se fait systématiquement dans des situations particulières. Le malade qui a un diabète et qui a un syndrome néphrotique impur. Parce que généralement, quand il a une protéinurie, elle doit être isolée. La protéinurie de la néphropathie diabétique. Maintenant, si elle est associée à une hématurie et si elle est associée à une insuffisance rénale, là, il faut penser à une autre néphropathie autre que la néphropathie diabétique. D'accord ? Voilà. Donc, dans le diabète, la biopsie n'est pas systématique parce que à chaque fois qu'on fait une biopsie, on nous dit c'est une néphropathie diabétique. Mais si elle est accompagnée d'une hématurie glomérulaire avec ou sans insuffisance rénale, à ce moment-là, il faut penser à un autre type de néphropathie. Okay? Mais dans le diabète de type 1, insulino-dépendant, la plupart des malades développent cette néphropathie diabétique. En général, dès qu'on fait le diagnostic, on met 15 ans avant d'arriver au stade terminal. Alors, les diabétiques de type 1 font la néphropathie diabétique. Les diabétiques de type 2, ce n'est pas tous qui font la néphropathie diabétique, heureusement. Alors, il n'y a que 30 à 40% qui font la néphropathie diabétique. Les autres, ils peuvent vivre toute leur vie, ils ne font pas ni néphropathie diabétique, ni insuffisance rénale. D'accord ? Mais la proportion de 30 à 40 montre que la première cause de dialyse et d'insuffisance rénale chronique terminale, c'est le diabète. Dans le monde entier. Pourquoi ? Parce qu'on contrôle mal le diabète. Parce qu'on contrôle mal l'hypertension.
type 2, il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui développe une néphropathie thyroïde. D'accord? Alors là, c'est la classification de Mogensen. D'accord? Ça, c'est une ancienne classification. Alors ici, vous avez donc la forme la plus sévère qui est la glomérulonéphrite extra-capillaire. Là, vous avez donc une néphropathie avec une classification qu'on appelle la néphropathie lipide. Hein? Il faut savoir que selon la classification, le traitement est codifié pour chaque classe. Et ce qui est important, c'est que tout lupus qui a une protéinurie supérieure à 500 mg par 24 heures doit bénéficier systématiquement d'une biopsie rénale. 500 mg. Et la biopsie rénale doit être non seulement inaugurale parce qu'il faut une biopsie, et peut-être même faire d'autres biopsies pour voir l'état, l'évolution. Parce que ce sont des patients qui peuvent passer d'un stade à un autre. Ils peuvent compliquer. Un lupus peut compliquer s'il fait une néphropathie lipide, s'il n'est pas, il fait une rechute, il peut passer du stade 2 au stade 4. Il peut passer du stade 4 au stade 5. D'accord? Donc c'est très important, il faut toujours avoir en tête que les lupides doivent impérativement bénéficier d'une biopsie rénale de départ. Pourquoi? Parce que ça nous permet de faire l'historique de la maladie. Parce que c'est des malades qu'on va contrôler toute leur vie. Hein? C'est des malades qu'on contrôle. Et un malade qui est bien contrôlé, il peut vivre pendant 20 ans avec sa néphropathie lupide. D'accord? Il faut contrôler la maladie sous-jacente qui est le lupus. Et en général, c'est une prise en charge polyvalente qui se traduit par une prise en charge du néphrologue, du médecin interniste et souvent des autres spécialités. D'accord? Donc ça, c'est une néphropathie proliférative secondaire. D'accord? C'est pas une néphropathie idiopathique. Alors, vous avez donc ici les maladies générales et vous avez ici toutes les possibilités d'avoir une néphropathie. Alors, le VIH peut donner une yaminosegmentaire néphropathique particulière. Très particulière, avec des lésions qui font penser au VIH. Vous avez donc ici les tumeurs, par exemple le lymphome de Hodgkin, hein, il peut donner donc une HSF et il peut donner des lésions glomérulaires minimes. Donc ce que je voulais aussi vous dire, c'est que par exemple le malade il vient avec un grand lupus, il a une glomérulonéphrite extramembraneuse. Il peut éventuellement, ça peut être un préalable pour développer un cancer. 10 ans après, il fait un cancer. Donc, c'est pour ça qu'il y a une relation très intime entre certaines pathologies et certaines néphropathies. Mais on n'est pas arrivé à expliquer ça. C'est-à-dire cette prédisposition à faire donc des cancers chez des patients qui ont donc des néphropathies. D'accord? Alors, ce que vous devez retenir, c'est quand c'est pur idiopathique, ça veut dire qu'il n'y a pas de signe extra-rénal. Il n'y a rien. Mais quand c'est impur, ça veut dire qu'il y a un syndrome glomérulaire qui peut donc associer une hématurie, une HTA, une insuffisance rénale, avec ou sans signe extra-rénal. Donc, ou vous dites c'est pur, ou vous dites c'est impur. Idiopathique, ça veut dire que vous n'avez pas trouvé de cause. Si maintenant le malade il a une polyarthrite rhumatoïde, il a une maladie inflammatoire, et dans cette maladie inflammatoire, il peut développer une néphropathie. D'accord? Donc ça veut dire que la néphropathie que vous allez trouver, elle est secondaire à sa maladie systémique. D'accord? C'est ça que vous devez connaître. Donc, à votre niveau, savoir ce que c'est qu'une hématurie d'origine glomérulaire, une protéinurie d'origine glomérulaire qui peut être isolée ou associée aux autres sites, un syndrome néphrotique pur et un syndrome néphrotique impur, c'est ce que vous devez connaître, et le syndrome néphritique, soit il s'installe en 24-48 heures, soit il s'installe
graduellement, progressivement, sur le long terme. Et le gros problème chez nous, c'est que le maladie vient, il vous dit, c'est la première fois de ma vie que je fais un bilan. Alors allez-y maintenant, faire tout l'histogramme, l'histoire de la maladie, tout, c'est très difficile. D'accord? Alors, à votre niveau, savoir ce que c'est qu'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, aiguë organique, et faire la part entre l'aiguë et la chronique. Si vous avez des reins atrophiés, vous êtes sûr que c'est chronique. Si vous avez des reins de taille normale, ça devient chronique. Parce qu'il y a certaines maladies qui se traduisent par une insuffisance chronique, rénale, mais avec des reins de taille normale. Diabète. Le diabète, voilà. Donc, c'est ce que j'avais...